Alors, bonjour tout le monde. Ma petite astuce pour faire des petits apéritifs assez sympas au niveau du. Quand vous avez des invités, etc., vous voulez faire un apéritif autre que les cacahuètes, pistaches, etc., habituels. Je vais vous faire des petits gâteaux apéritifs. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. C'est juste qu'il vous faut. Alors, il vous faut comme ingrédient, par exemple, de toute façon, obligatoirement de la pâte feuilletée. Là, par exemple, j'ai pris le cas des petites saucisses. C'est mon fils qui m'a, enfin mon beau-fils qui m'a donné l'idée. Et c'est vrai que c'est pas bête son idée. Et différents fromages. Alors, vous trouvez ça à Leclerc, hein, ça coûte à chaque fois Leclerc, trop cher. Carrefour, Inter. Carrefour, voilà, du jambon. Enfin, après, vous avez aussi, vous pouvez faire avec du jambon, mais ça va être différent. Je vais vous faire voir après. Et donc là, ouais, dans votre pâte, vous faites des petits triangles. Vous voyez, comme j'ai fait là. J'ai découpé comme ça. Et c'est pas compliqué. Vous prenez une de vos saucisses, vous l'entourez de fromage. Avec tes grosses palais, j'en vois rien. Voilà. Et vous prenez un petit triangle. En plus, j'ai fait la bêtise, j'ai pris le couteau qui coupe le plus à la maison. Super. Et vous le roulez. Ah, quand ça veut venir. Bien entendu, je suis pas doué à des moments. Autour. T'as peut-être fait le triangle un peu petit. J'ai fait le triangle un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Et hop, voilà, c'est fait. Et puis vous mettez ça sur une feuille sulfurisée. Donc, je vous explique vite fait. Hein, ça, je vous en fais un check, comme ça vous allez comprendre. Après, pour la dorure, vous vous embêtez pas, vous prenez un œuf. Moi, je prends un œuf entier, hein, avec un poignet de sel. C'est comme ça qu'on fait en boulangerie, hein, c'était mon premier métier. Et hop, avec un pinceau, ça vous en achetez un pinceau dans le commerce, et puis vous en servez que pour la cuisine. La preuve, celui-là, il sert que pour ça. Et vous le badigeonnez. Il y en a qui mettent uniquement le jaune d'œuf. Hein. Moi, je mets l'œuf entier, c'est pas gênant. De toute Ça façon, revient au même. jaune d'œuf, non, ça fait un peu plus, on va Un dire, peu plus sombre, mais un voilà. peu plus sombre, C'est et vous puis badigeonnez. ça durcit un peu la pâte, je trouve. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Deuxième astuce Bah, que tu vous vois, pouvez ouais, faire avec le jambon. avec le jambon. Voilà. Bon, il n'y a pas qu'avec le jambon, vous pouvez le faire avec le fromage. Je vais vous faire voir après. Ouais, vous faites juste avec du fromage. Hop. Vous prenez votre tranche de jambon. Alors, vous inquiétez pas, la table est nettoyée. Hein. J'ai bien Voilà. nettoyé la table. Le jambon ne veut pas venir, il ne veut pas se faire manger. Il va se faire manger quand même, il va se taire. De toute façon, même s'il n'a plus rien à dire. Donc, c'est pareil, vous coupez. Oui, en deux comme ça. Et vous faites des petites lamelles. Voilà. Olé, bien ici toi. Quand je te dis qu'il veut pas se faire manger. Ah, donc vous prenez à peu près la même superficie. Voilà. Aïe. Une bande. Là, on va prendre comme ça. Une. Pose ton couteau, c'est dangereux. Deux. Et trois. Non, parce que tu vois, j'en ai pas encore besoin. Oui, mais. Voilà. Dedans, par exemple, vous pouvez mettre. Ça tombe bien. Hein. Et vous roulez le tout. Voilà. La pâte, c'est vrai que c'était de la congelée. C'était la pâte qu'on avait au congélateur, ça se voit. Donc après, vous l'aplatissez un petit peu, délicatement. Ouais, De toute pas façon, beau. ça va gonfler. Hein, donc voilà. Et vous mettez ça à cuire comme ça. Quand vous espacez bien, parce que comme c'est de la pâte feuilletée, ça gonfle. Ça gonfle. Hein. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Après, vous pouvez faire au jambon, vous pouvez faire au fromage uniquement. Là, j'ai fait avec du jambon, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. On va prendre par exemple, hop, je vais refaire la même chose. La petite bande de. Et puis, on va faire. Allez, au Bouddha, par exemple. Hop. En même temps, je surveille mes gougères qui sont en train de cuire. Donc on fait des vidéos à l'avance. Comme avec mon stage, c'est pas pratique. Bon, on n'a pas toujours le temps. Voilà. Hop. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Et hop. On reprend la même technique. S'il n'a pas de venir. Et c'est le problème, c'est de la pâte congelée.
Quand on la congèle, la pâte, c'est un petit peu galère. Hop. Et on met ça à cuire. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête. Et ça vous fait des petits trucs assez sympas pour l'apéritif, par exemple. Il suffit de prendre juste un peu son temps. Et puis bah, vous régaler entre amis, entre dans la famille, etc. etc. Donc voilà, je regarde quand même mes gougères, parce que comme je vous disais, c'est l'on fait toutes les vidéos aujourd'hui. Les gougères, je vous les ai fait voir la préparation, mais voilà, c'est en train de cuire gentiment. Donc sur ce, ben, bon appétit, bon apéritif pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça. Par exemple, vous pouvez faire pour Noël, jour de l'an, Pâques, ce que vous voulez, quand même, vous avez des amis. ou entre amis le week-end. Ou entre amis pour le week-end. Bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Je suis Parce qu'on d'accord avec évite l'alcool vous. la semaine, hein, avec le travail. Mais voilà, bon, avec mon boulot la semaine, mon stage de formation, comme vous le savez, je suis en formation peintre en carrosserie. Il ne faut pas dire carrossier peintre maintenant. Et ça, parce que c'est soi-disant deux métiers différents. Enfin bref. Donc, bah, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes, enfin tout ce que vous voulez. Et à la prochaine fois.